Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre, donc la terre du milieu, l'ombre de la guerre. On y est, point lapide obtenu, on va aller se le mettre quelque part. Je ne dirai pas où. Alors ça c'est quoi? Oiseau de proie. Ouf, ouf, c'est stylé. Lumière elfique. D'accord. Tempête de glace. Ça c'est intéressant aussi, hein, mais... brutalisation, liane empoisonnée, what? D'accord, ok, c'est stylé. Ça par contre, ça peut être pratique. Chaîne spectrale. D'accord, ouais. Ça c'est extrêmement puissant. Représailles, agression brutale, coup final au sol, coup critique. Ça aussi c'est coup critique, ça peut être intéressant. Je vais prendre ça. Vu qu'on prend beaucoup plus de dégâts que prévu, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut même être extrêmement nécessaire, si je puis dire. On verra. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Lui accorde toute ta confiance. Laissons-lui du temps. D'ici là, retournons voir Arachné. Il me faut d'autres réponses. Ok. Donc ça, c'est la grosse, grosse carte de la mort qui tue. Why not? Nouvelle région déverrouillée, carrément. D'accord, ok, cool. Il faudrait que j'aille jusque là. Voilà, c'est Siri Tungle, c'est marrant. Le nom... Peut-être que je me trompe, hein. Déplacement rapide, on y va, on est obligé d'y aller. C'est l'histoire, on progresse, chers amis. De toute façon, on reviendra à Mina City, c'est certain. Enfin, c'est certain. Ah, en y réfléchissant un tout petit peu, je me dis que... c'est pas si certain que ça. Enfin, j'ai pas envie de spoiler. On verra. Derrière les lignes ennemies, écoutons la nuit, les armées de Siri Tungle se rassemblent avant l'assaut final sur Mina City. Arachne détient les informations pouvant vous permettre de repérer et d'éliminer les chefs de l'armée orque. Retournez la voir et détruisez l'armée de Sauron de l'intérieur. Neutralisez les avant-postes pour réduire la force de l'ennemi dans la région. Pour neutraliser un avant-poste, éliminez le capitaine qui le dirige. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Oh, un avant-poste! J'imagine. Non, c'est quoi ça? Non, c'est un Aedir. Juste là. Ok, l'orque là-bas est en slip. Je suis dans l'obligation de l'abattre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour! Ah d'accord, c'est instantané, ça tue, c'est tout. Sans... sans la moindre hésitation en fait, c'est ça meurt et puis c'est... enfin... aïe, t'es où? Boum! Aïe. Qui ose me tirer dessus? Pourso? Bonjour. Alors ne te fatigue pas. Skak. Colosse. D'accord. D'abord m'occuper de l'archer. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, tiens, ça peut être intéressant, ça. Tiens, vas-y, donne. Merci, voilà. J'avais pas vu que t'étais ça. Ah, il s'est arrêté, un capitaine. Ah.
Je peux pas le prendre, hein. Ça va exploser. Raté. Ça fait mal. Il est chiant à faire ça. J'ai pas de tir d'elfe. Attention à l'explosion. La vache, c'est pratique ça. Non, 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 c'est pas sur commande, désolé. Ouais, comment ça, adaptation? La vache, à chaque fois que je fais ça, il s'adapte. Ok. Il ferait mieux de courir. Ok. Ouais, je déteste courir après ces foutus crétins de Dark. T'as raison, faut que tu te la pètes. Putain, c'est chiant qu'il fasse ça par contre. Fais pas ce coup-là. Je le connais maintenant. Fais tes prières. Vache. Et puis ça me saoule. C'est casse-couille qui s'adapte. L'heure est venue de planter une lame aiguisée dans ce corps émoussé. L'attaque devient lassante. Aïe. Mais merde. Désolé. Tu repasseras. Je vais t'écharper. Vache, même ça, il prend pas. Attention à l'explosion. Oh la vache. Idiot. Ah, t'as raison. Oh putain. Il lance. Enfin. Non, je suis désolé, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il est? Je vois ce Dark puant. Oh, on trouvera cette vermine si on peut. J'ai pas de tir d'elfe. Non, casse-toi. Eh bien, je t'attends. Allez, viens. Putain, il se défend même de ça. Mise à mort. Attention à l'explosion. Allez, viens. Je vais te tuer moi-même. Putain. Ah, refais pas ce coup-là. C'est chiant. Je le connais maintenant. Je brûlerai son cadavre. Vache. Mieux de courir. Je vais te découper. Ça va exploser. Je sais ce que j'ai pas essayé, mais ça a pas passé. Oh, c'est bien ma mène. Où est le fumier? Tiens, bouffe. T'as pas tué ça? Putain, ils me saoulent. Ils sont extrêmement balèzes. Tiens, regarde, regarde, j'en ai rien à foutre de toi. Y a pas une flèche quelque part? Si, y a des flèches là. Dans ton cul. Voilà. Tué d'un tir à la tête. Putain. Ils sont tendus. Ils sont méga tendus. Bon, c'est toujours ça de près. Wouah. Les mecs sont balèzes, hein. Je veux dire, le côté adaptation, je sais pas ce que c'est, mais... Dis donc, c'est tendu du slip, hein. Je crois que c'est justement fait pour éviter qu'on farme les gros levels, en fait. Comme on n'est pas assez rapide à les tuer, ils s'adaptent. Wouah, c'est tendu. Eradon Ivorn. Eradon Ivorn.
boum, t'as de beaux yeux bleus maintenant. C'est vrai que les yeux rouges, c'est pas... Comment dire? C'est pas que c'est pas sexy, mais... Ok. Ok, pourquoi pas? Why not? C'est très bizarre. Artefact gondorien. Ok. Et du coup, il y a des grottes partout, en fait, c'est ça, non? C'est qu'il faut que je comprenne, ou... S'il y en a un seul qui me fait le coup, il y a des grottes partout. Ok, bon, c'est bon, on les a tous. Ouais, mais c'est tendu du slip, quoi. Pourquoi lui, il est blanc, là-bas? Ouais, c'est un peu loin. Hein. Hop, merci. Hop, as-tu des informations à me donner, l'ami? Ça fait rapide. Tiens, des renseignements. All Rock, le Lèche-Botte. D'accord. Vulnérable aux exécutions, dégâts par attaque à distance, ok. Donc ça a quand même l'air vachement plus tendu que le premier, hein, si je puis dire. Mais... Préviens-moi quand t'es là aussi, surtout. Oh. C'est débile. Oui bah vive, viens. Viens. Voilà. J'ai pas de tir de... Éloignez-le de moi! Le voici! Ah merde, je pensais qu'il allait sauter par-dessus. Mais non. Dommage. Interrogé, bonjour, Edueno Oguat. Ça c'est dans mon premier aussi. Par contre, il y a beaucoup plus de monde qu'avant, hein, sans Goura le surveillant. D'accord. Merci pour la santé. Oh, ils sont pas très... trop à l'écoute, si je puis dire. Ah, des renseignements. Ok. Bâche le profanateur. Ok, cool. Ils sont beaucoup plus nombreux quand même. Aïe, ça, ça fait mal. Oh merde, il y en a un. Quoi? Putain, même eux, ils montent des caragors, quoi. Mais non, mais non. Oh, mais non. Je vais mourir bêtement. Dégage. Oh.
Tiens, boum, et de 1. Ça va être chaud du cul, hein. Ça va être chaud du cul, chers amis. Hop. Oh, la vache. Je suis toujours repéré. Oh putain. Oh la vache. Et il m'a eu. Le Karagor m'a eu. C'est tendu. Dans le 1, tu pouvais aller au corps à corps comme ça. Bon, par contre, je me fais bouffer. C'est dégueulasse. Karagor vous a tué. Mais dans le 1, tu pouvais y aller comme ça au corps à corps. Parce qu'il y avait... Enfin... Je pourrais même pas dire ce qu'il y avait. Il y avait quelque chose qui faisait que... Je sais pas comment le dire. Il y avait une possibilité que ça... Ah bah merde, il s'est fait buter. Mais là... Là, ça est devenu incroyable, parce qu'en fait... Bah, littéralement, en fait, finalement, oui, c'est peut-être pas plus mal. Puisque nous sommes dans le Mordor, nous sommes au lieu, là où nous ne devrions pas être. Pas de mort pour Talion. L'anneau est perdu, mais nous pouvons vaincre Sauron. Non, j'ai mis mon arme dans cet anneau. Nous en avons besoin pour la guerre. Ok, bon. Ok. M'ont-ils repéré? On est sauf. Rattaque. Le véreux, rattaque le véreux. D'accord, gros dégueulasse quoi. Cependant, si je pouvais. Ouais, j'ai pas. Ah, regardez, j'ai pas sur la carte, j'ai pas une seule flèche. Bonjour. Excuse-moi de te déranger. Qui est cette personne? Chacun le frêle. D'accord, ok. Adieu. Aïe. Ok, casse-toi, s'il te plaît, merci. Je crois que je t'ai tué, Dark. Ça fait donc de moi un bourreau de Dark. Non. Tueur de Tark. Ce surnom me plaît beaucoup. Tueur de Tark. Désormais, tout le monde m'appellera Tueur de Tark. C'est violent. C'est vraiment violent. Je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi dur vis-à-vis du premier. Le premier est... Bah, simplissime. Là, faut le dire, hein. Là, vis-à-vis du premier, celui-là est extrêmement dur. Hein. Y a pas d'autre terme. Retrouver ma famille. Le passé est le passé, Talion. Notre tâche n'est pas terminée. Merci.
Ça pouvait pas être une porose. Pas dans les grottes. Pas ici. T'as entendu ça? Ok, on y va doucement. Ça sert à rien de se presser. Attention. Ça passe. Ok. Des infos supplémentaires. Gâche le penseur. Ok, c'est extrêmement dur, je suis surpris. Hein. Et c'est pas le premier. Ok. Cette fois-ci, je l'ai eu. Ok. Il m'a vu, on sait pas trop comment. J'ai besoin d'un adversaire à ma hauteur. Marre des cibles faciles. Tu vas arrêter de parler. Il m'attend, on est d'accord. Lui là, il m'attend. Il s'est endormi ? C'est sérieux ? Sincèrement ? C'est impossible. Attendez, faut que je regarde. Y'a pas une carte ? Putain, y'a une carte ? Y'a une carte. Faudrait que je passe à droite. Putain, il m'a vu. What? Comment j'étais censé rejoindre l'endroit ? Tyrolienne ? Tyrolienne, ok, autant pour moi. Autant pour moi, c'est pour moi. On la refait, couper ! Utiliser la tyrolienne. Quelque chose vient de bouger par là ! Hop. Un ramasseau. Prospecteur, d'accord. Dernier roi du Gondor et Arnur, parti affronter le roi sorcier en personne. C'est beau. Même de Langmar. Cette couronne est digne d'un roi. Ah, mais ton peuple a rejeté ses rois, il me semble.
Ouvrez l'œil, j'aime bien. On doit trouver celui qui a fait ça. À longueur de journée. La tête de ce tueur sera mon trophée. On va réduire quelqu'un en charpie. Quoi que ce soit, j'espère seulement que ce qu'il a tué le rôdeur. Arrête! Il peut pas tous vous battre. Je vois le rôdeur. Et merde, là ça pue. Il faut que j'aille le Ok, bon, bah là ça va devoir découper parce que là je peux plus faire autrement. L'autre appelle des alliés. Ok, t'es mort. J'y vois rien dans cette flotte. Cette flotte ? D'accord, donc l'avant-poste est en alerte. Je viens de comprendre. Où sont mes flèches ? Attention, ça peut être dangereux. Ok. On s'en sort pas trop mal. Je sais pas ce qui roule dans le coin, mais je veux sa mort. Je crois que je vois des traces par là. Pardon, on s'en sort pas trop mal. J'ai entendu un râle d'agonie. C'est pas le mot que j'emploierais. Pour moi, c'est plutôt un cri, avec parfois des gargouilles à cause du sang. Quelqu'un va saigner pour ça. Oh putain, ils sont nombreux. Je peux atteindre le point, y a pas de souci. Nous est plus utile à l'état de cadavre. Ils sont nombreux. T'as déjà vu ce... Ils sont très 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 nombreux. Ouvre bien l'œil. J'ai pas envie de mourir comme lui. Ils sont extrêmement nombreux. Ça les a pas tirés ? Si ? Oula ! Et bah le jeu vient de planter. Le jeu vient de planter. Bon bah voilà. Chers amis, du coup, bon bah on va bien voir si cette fois-ci ça plante ou pas. J'ai peur que ce soit en fait l'utilisation du truc pour... comme d'un... Oh non, pas jusque là. Ok, on y va. Cette fois-ci... Hop. On ne s'arrête pas. Oui. Je sais exactement ce que ça fait. Je me rappelle de toi. T'es toujours aussi moche. J'ai connu son étreinte. Alors question, est-ce que j'ai toujours l'identification ? Jusqu'à ce qu'une sorte de chaleur grouillante vienne m'envahir.
Des milliers de larves remuantes ont rampé sur moi et à l'intérieur de moi, arrachant la chair morte de mes nombreuses blessures. Oh. Depuis, elles sont toujours avec moi. Toujours. Cause, hein. Une horde mouvante et grouillante qui me cause du tourment. Pauvre petit père. Ah, je les ai plus. Je les ai plus. Oh là, d'accord. Tiens, bouffe celui-là déjà. Boum. Deuxième coup. Ah, je peux pas, hein. Enragé par les acrobaties. Tiens, bouffe. Tué d'un tir à la tête. Merci pour l'arc. Il voulait dominer les bêtes du Mordor. C'est leur méthode, dominer ce... Ce qui ne peut être dominé, j'imagine. D'accord. D'accord, pas intéressant être pour moi. Dominé, tuer le reste. J'aurais dû faire un drainage. Ok, c'est pas grave. J'ai 1700 points, je dois pouvoir faire quelque chose. Je débloque sur ça. Hop, sur l'arc. Sur l'arc, j'aimerais mettre... une couille en disant ça. J'ai peut-être fait une couille en disant ça. On verra ce qu'on en fera. J'ai peut-être gaspillé un petit peu d'argent. C'est encore l'immortel. Ils m'attendent. Le tien aussi s'est fait avoir. On va qu'est-ce que c'était que ce bruit? Si on allait voir ailleurs pendant que je suis passé. Ça, c'est un mouvement qui a fonctionné donc. Un monsieur qui me voit. Le bruit, soit le bruit est complètement bugué. Qui est possible aussi. Hein. J'ai encore oublié de le drainer, pardon. J'aurais dû le drainer. Hop, allez, on y va. J'ai une flèche. Merci pour ta tête. Ils y vont pas tous ? J'ai pas assez de... Ah,
Quoi? Des gules. Ok, j'en avais déjà vu des gules, hein, mais... Mais c'est pas grave, le jeu réagit que maintenant. Hop, t'es mort. C'est quoi ce truc là-bas? Non. Ok. Allons-y doucement, certains se battent. Certains se battent, pardon. Il m'a vu. Chaque le savant a été écrasé, c'est très bien. Il fait exactement le boulot que je voulais, le machin, hein, c'est... Par contre, il m'a vu. Aïe. Bien sûr. Hop. Il est mort. Apparemment. Soit il est mort, soit il a été effacé, si je puis dire. C'est étrange. Je suis encore loin. Ok. En tout cas, moi ça m'arrange. Trop nombreux pour le moment. Non, il est là en fait. Ah non, il y en a un là, pardon. Autant pour moi. Mais non. Bonjour. Merci pour ta santé. Voilà, santé. Il faudrait des flèches. Flèches qui sont uniquement à côté du Caragor. Non mais arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Bon. Bonjour. Le voilà. Poursuivez-le vite. Ok. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. J'attends qu'il fasse le job. Oh, tant pis. J'attends pas. J'attends pas. Et nous, on se laisse, chers amis, pour le prochain épisode. Désolé d'avoir été aussi long cette séquence. C'est plus dur que ce que je pensais. A plus.